Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les médecins se succèdent sur les plateaux de télévision. Martin Blacher est l'un d'entre eux. Mais contrairement à ses confrères, l'épidémiologiste de 36 ans est apprécié par les opposants au pass vaccinal et les opposants à la stratégie vaccinale du gouvernement. Ce vendredi 4 février, Martin Blacher a accordé une interview à nos confrères de Femmes Actuelles. Il y révèle notamment être en couple avec une célèbre psychologue. Il s'agit de Marie-Estelle Dupont, invitée fréquemment sur le plateau de l'heure des pros sur CNU. Le couple s'est rencontré en octobre 2020 grâce à leur présence sur les plateaux de télévision. Je ne m'attendais pas du tout à trouver l'amour sur un plateau de télé, c'était une époque où je travaillais beaucoup, j'étais tout seul dans un petit appartement au Lila. Donc si est-ce vraiment ça qui a le plus changé ma vie? Si est-ce le bon truc que m'a apporté la pandémie, confie Martin Blacher à nos confrères. Martin Blacher sur sa compagne, Marie-Estelle Dupont, il y a eu des fois où on n'était pas du tout d'accord. L'épidémiologiste ne tarit pas d'éloge lorsqu'il s'agit d'évoquer Marie-Estelle Dupont, elle a pris très à cœur cette crise, parce que son travail est très impacté également, le Covid est venu envahir ses consultations. Elle a donc une approche plus de terrain, et plus philosophique aussi. On regarde beaucoup les données sur la santé mentale. Le couple parvient-il à parler d'autre chose que cette épidémie lorsqu'il se retrouve? Pas vraiment. Ça nous prend tellement qu'on a du mal à parler d'autre chose, et parfois ça peut créer des grosses tensions. Il y a eu des fois où on n'était pas du tout d'accord, révèle Martin Blacher. Loading widget.